êtes sur Congobuzz TV et vous regardez votre magazine ActuBuzz, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine qui va revenir sur trois principaux sujets. D'abord, ces changements au sein du comité de suivi de l'accord Kabund Kabuya éjecté au profit de Kitengeyezu, Nicolas Kazadi, Peter Kazadi. On va tenter de décortiquer cette situation. Et de l'autre côté du FCC, c'est Shader qui quitte la barre. Qu'est-ce qui justifie ces départs? On en parle au cours de cette émission. On va aussi aborder la question de ces messages qui circulent depuis hier sur les réseaux sociaux. Un message attribué à Lambert Mende, président du parti politique CCU. Un message dans lequel Mende était en train de fustiger les comportements de son présumé collaborateur qui aurait pris en partie les juges de la Cour constitutionnelle. On va tenter aussi de décrypter cette situation. Et puis, on va chuter avec les départs du FCC de Basil Olongo, cet ancien député et ancien vice-ministre également sous Bruno Tshibala et Sami Badibanga. Qu'est-ce qui explique son départ et ses différents discours tenus ces derniers jours? On en parle avec Jimmy Kitenge, cadre du PPRD. Bonjour et bienvenue. Merci mon frère. Après plusieurs tentatives ratées, me voici chez Congobuzz en train de parler politique de la République démocratique du Congo. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors je rappelle déjà que cette émission sera bilingue. Déjà, avant de parler ou de prendre les menus de cette émission, une question taraude mon esprit. Comment faites-vous pour défendre Joseph Kabila, quelqu'un qui a détruit systématiquement ce pays 18 ans durant? Très bonne question. Je m'y attendais d'ailleurs. Je vais parler de faits. Nous n'allons pas rester dans la spéculation. Je vous ai toujours suivi et je suis un de vos abonnés. Il y a une question que mon ami Bossembe a toujours passée ici devant ses invités, où il pose la question, où il dit que quel est l'homme le plus dangereux, je ne sais pas, l'homme le plus mauvais de la République démocratique du Congo. Et généralement, avec ses invités, avec beaucoup de légèreté, on a toujours tendance à citer le nom de Kabila. C'est que l'émission est bilingue, je vais essayer un peu de parler et en français et en lingala pour avoir une compréhension. Ndeko, le Congo, la République démocratique du Congo, les lotos anganayo en face dans un plateau de télévision. Kabila prend le pays ici en 2001 avec un budget de 360 millions de dollars. Un budget, ça veut dire que c'est une prévision, mais à mobiliser. Et puis deuxièmement, Azwa Mboka avec quatre rébellions, RCD Goma, RCD KML, RCDN, na MLC. Azwa Mboka na 170 groupes armés. Azwa Mboka, un professeur d'université avait 57 dollars. Tango Azwa Mboka. Azwa Mboka tozaki na ba banque, le banque commerciale, il y en avait des Banque congolaise na BCDC. Nyosuzaki, BCDC ne immeuble anera utiliser. Le pays était en pleine faillite. Azwa Mboka, ce pays n'existait que de nom. Sur le plan international, n'a pas organisme international, nous sommes engagés. Tonda ou contribuer les sous-soutis. Bambassade na biso ba bengana bango. Voilà la situation. L'armée, notre armée n'existait plus. Je me rappelle encore, il y a quelqu'un, ça doit être Kengwa Dondo, ou à traiter ba généraux et à maréchal. Comme étant banani, commerçant. Voilà la situation avec laquelle Oyazwa Mboka. Et puis, pire encore, il y avait des secteurs, 60 mois d'impayement, 100 mois d'impayement. Et voilà maintenant la justification Oyazwa Mboka qui s'autodéfend Joseph Kabila. Le contexte avec lequel Oyazwa Mboka. Il s'est donné une mission, il y a qu'on réunifie Mboka. 170 groupes armés. Quatre rébellions à Bandiko réunifié Mboka. Là où Moussa Laurent Désiré Kabila avait posé les conditions pour un accord de Lusaka, l'homme a accepté tout ce qu'on lui a dit, tout ce que les belligérants, les rebelles, les Akala, ils ont comme condition, on est allé à Sand City. Et Sand City est constitué à socle. Où est Salako en 2004, l'unique Congolais où il a joué la proposition de la constitution de la République démocratique du Congo a sillonné dans le Congo mobile. Bande qu'on a eu ça, il dépasse pas n'importe quelle constitution. On a bah Rwanda entre Frank Diongo et les autres. Abi constitution bah Rwanda. Kabila Tambola na Mboka a eu constitution à faire voter. Bah belligérant on a nionso. Bah problème na bango banda qu'on posait pendant qu'on soit minuit chez Alaka. Certains se disaient minoritaires. Le pouvoir à Kinshasa, c'est un pouvoir qui n'émane pas du peuple. C'est un pouvoir anticonstitutionnel. Kabila a remis les pays sous le rail.
nous sommes aujourd'hui 8e meilleure armée d'Afrique. À contenir la rébellion dans les groupes armés, nous sommes 10 lois de rébellion dans les MLC, dans les RCD, Goma, en parti politique. Et le groupe rebelle, les a-t-il là? Je parle de rébellion et groupes armés. Les groupes armés, avant de départ, il y a Kabila, oh, et Tikalaki, actifs. Ils ont qui ADF Nalou. Et les ADF Nalou, c'est un mouvement terroriste. Et le terrorisme n'est pas l'apanage de la République démocratique du Congo. Le terrorisme peut frapper en France, le terrorisme peut frapper aux États-Unis. Ma professeur d'université en Kabila, le Matiki, on a combien? On a 2000 dollars. Ma magistrat, le réforme de la magistrature, la Cour suprême de justice, le lot, un slogan peut-être vide des contenus, état de droit. Mais. Vide des contenus. Évidemment. Vide de contenu, je vais donner des illustrations. État des droits. Puisque ça, la réforme et la magistrature. Donc, on a le Conseil d'État, Cour constitutionnelle, la Cour de cassation. Il y a viola droit de l'homme, il y a un sacré terre. Droit de l'homme, je vais te dire une chose. Il y a un pouvoir opposant, il y a un droit à la parole. Voilà, voilà. Tu as bien parlé. Tu as bien parlé. Il y a un droit à la parole. Moi, je vais convoquer au Kouna, donc. Il y a un bouton à la tête. Ndeko, les lots Congo baise. Vous allez chante, vous allez mettre sur Internet. Va à Brazzaville, tu as la nengue utilisé qu'à Internet, c'est avec beaucoup de restrictions. Va au Rwanda, on utilise Internet avec beaucoup de restrictions. À Brazzaville, tu auras 5 chaînes à télévision. Ah, nous en avons plus de 700. Nous en avons plus de 700 radios. Liberté, Wana Nyoso. Imagine la Kabila. Écoutez, Mobutu avant, Mobutu tango le retour, il y a OZRT, Antenne, Anna, Canal Z. 3 chaînes. Kabila Mtoyana Nyonso, on a permettre Ndekobosembe. Pluralisme politique, Ndekobosembe, Nababino, Nababino. Ça, c'est en tout cas une réalité. On permettre Ndekobosembe, parce que le boulot est là, on va bousser. C'est grâce à Kabila pour libéraliser le domaine des médias. Il a libéralisé le domaine des médias et permettra à Mtoubosali Boat Nabino, Bozo est vrai, vous pouvez tout dire librement. Les lois, la violation des droits de l'homme, on a un rapport à Human Rights Watch, autour de Mamikolo. La police a tué 152 Congolais par balle. Oskoyoki, soi-disant, le mouvement à droit de l'homme, il a bien localisé des mouvements tribales. Oezalaka, sous-traitant à IDP, il y a Kapiamba, il y a Tende, il y a Christopher Ngoy. Accusation gratuite. Il faisait du bruit tant qu'il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir. Mais les lots, il y a un pouvoir. Il y a un IDP, il y a un marché. Oyoki bon ba sali communiquer ba bon ba toi gédéon kyungu oyoki ba sali communiquer ba bon ba toi yanel ba bomi delfin quand même d'une manière une mort mystérieuse oyoki ba sali communiquer ba bomi awa ba toi ne mon ensemble qui me somoni oyoki ba sali communiquer c'est pour te dire que Kabila a trouvé ce pays, c'était un trou noir, les lois relevées en haut, on peut dire que Kabila pas si mutu musala te me yozu musala yozu sala Kabila. Il a libéralisé le domaine des médias. Est-ce que vous avez vu que alors dans les entreprises parlant, de l'État. Parlant, il y a libéralisation, il y a médias. Est-ce que vous avez vu que la loi sur la dépénalisation du délit des presse est bloquée dans le Parlement? Il est le commandant Kabila dans le pouvoir. Tu me parles d'une loi en fait, mais sur le plan réel, quand chez vous, na Congo baisse, vous avez monté une question à Koloba. Qui est l'homme le plus dangereux? Kabila avec toute liberté. Sans pour autant avoir les éléments probants. Ozo, là, c'est Kabila, il n'aime l'homme le plus dangereux. On a posé une question, il y a aussi une réponse. Écoute, quand on est en train de poser une question aux journalistes, il faut qu'ils en aient sous-basmat. Ils en aient sous-basmat. Ozo, ta critère, on dit critère. Voilà tel. Tenant compte de ça, on a mis ici question. Mais quand vous faites des questions, il y a tendance, il y a fanatisme, il y a djalelo. Ou permettre peut-être à Bino Lelo, aussi à boulot. Si vous... Kabila, y'a Pessio, Boussala directement, même le bon Dieu, il n'agit pas directement dans le monde qui monte. Mais par l'entremise des gens, Kabila a libéralisé le domaine des médias, ça qui va Congo baisse des avages, et à la chaîne Lelo, et Pessipé, Batoumisala. Ce pays était un trou noir. 18 ans après, Kabila a dit qu'il paye Naïtani. Les athées, Missal les athées, Kabila Kouta, Bilo Karoli les athées. Kabila Kouta, 4500 km de route. Bah, oh, Babel, je vais la bijou. 18 ans à pouvoir, après, tout le monde a quand même moins changé. Mais côté, si on a eu son temps. Aux anciens, vraiment, il y a une équipe. Oui. Combien il faut réhabiliter, il y a une équipe. Eh. On avait réhabilité. Moi, je suis un architecte, j'en sais quelque chose. Je connais même l'entreprise qui avait gagné les marchés pour que ça te soumission à rappeler. Alors, on m'a dit qu'il va réhabiliter. Libé TP, là où moi je suis. Libé TP, là où j'ai fini, a été réhabilité des fonds tant comme les. N'a pas été réhabilité.
Oh, ma bambe, soit bien à Vatican. Et puis là, moi, depuis 2011, ti Kabila Longwe. Et tu as là, vous avez la réhabilitation dans Maramoua. Là, va répandre place, on a besoin rien. Depuis 2011, fait mon corps. Déjà. Si on est au salaire. Ok, dans le bibo, IBTP, ils ont université. Bah, réhabilitant ou défendre ton comble. Pour toi, c'est seulement l'inikin. Votre référence. Exemple, mais c'est ça de fait, écoutez. Ce sont des faits. Imagine un peu. Kabila vous trouve avec 4500 km de route praticable. Oh, ma belle, je vois ça là. Ayatik, ça, c'est 50 000 km de route praticable. Nous partions ici à Matadi. 14 jours, ma belle jaune. Ma benzela au koufa. Là, tu peux faire 4 heures du temps. Quitter Lubumbashi, Kolozi, Lubumbashi, Kasumbale, ça. J'en sais quelque chose, dans la salle de Nzela, qui s'engagne, le nom de Thomas Souma, qui s'engagne, et il y a Nzela, qui est qui s'assa. Nzela, Nzela, qui n'a pas rapport et qui s'assa. N'est-ce pas vous qui sont les œuvres de Kabila? Toutes les routes, vous parlez plus, il y a trafic urbain. La route, il y a. Le trafic urbain, c'est les routes, route, les routes à caractère national. Il y en a un unique. Papa, il y a un rôle qui quitte. Il y a un rôle qui est dans nos villes. Il y a un rôle qui est Ce sont de faits réels. Ce pays était un trou noir. L'armée n'existait pas. La police, tu vois, la gendarme, la garde civile, peut-être, oui, bien outil. C'était un trou noir. Les banques, tout ce qu'il y a comme banque ici. Et engagé, Rwandais, Belge, Hongrois. Et engagé, Congolais. Les entreprises publiques de l'État. Nous sommes tous à la réforme. À l'époque, je me rappelle encore, Mabunda était. Ministre à portefeuille, il ou maïlou comme un copyright. Le bas c'est retrouvé mon président de l'Assemblée nationale, mon premier ministre. Réforme à l'entreprise publique, pour tout comme il s'en est, établissement public, entreprise commerciale, service public. Il y a un mot le salaire qui est la douane. Quand Kabila est arrivé, la douane vous produisez 170 000 dollars le mois. Aujourd'hui, la douane congolaise, c'est le premier pourvoyeur des recettes. Il y a République démocratique du Congo avec 167 millions de dollars le mois. De 170 000 dollars à 167 millions de dollars le mois. Je pense que c'est rien. Un budget qui passe de 360 millions de dollars à plus de 8 milliards de dollars. Pour quel résultat? Pour quel résultat? La courant exacté, mais tu viens vers la bourse. Le but c'est de foutre à bourse. L'époque à Gizeng, le Congo avait des problèmes sérieux. Quand quelqu'un avec un budget de 300 millions de dollars doit vous payer 50 millions de dollars le mois pour atteindre un point d'achèvement, tu penses que c'est rien? Voilà les raisons où il s'est soutenu à Kabila. Il a organisé les élections sur fonds propres à deux reprises. Imagine un peu l'élection 2006, nous en avons organisé à 95% soutenu par la communauté internationale. Mais nous avons inversé la tendance en 2011, 5 ans après. On inverse la tendance 5 ans après, tu organisé sur fonds propres et tu les lots. Où tu les cas, où est président Tshisekedi n'a pouvoir, l'élection, tu organises sur fonds propres. N'est-ce pas faux que c'est rien? Le lot ordre constitutionnel au Moutoyen dans Kabila. Ce sont des raisons. Kabila, ce sont des faits réels. 8e meilleure armée d'Afrique, tout ça, ce sont des faits réels au SLI qui est soutenir Kabila. Parle de la question de l'actualité, changement dans le comité a suivi à l'accord FCC Cash, Kabouya, Mathieu Bongolibanda, Kitengezou, Nicolas Kazadi, Peter Kazadi, et puis Nanga Mounabino. Ramazan Ipe Libanda. Changement, vous avez pour justifier mon ennemi. Bon, moi personnellement, je me dis que le format a été réduit. Chez nous, c'est un problème de format. Format Zala qui est réduit. Liboso Babandaka na 8, Bakomi na 6, Lilobo. Tenant compte, il y a Bakondimi, Bale, Baebi. Les raisons pour lesquelles il va réduire le format. Mais tenant compte, il y a réduction en format, Bissoto se retrouve parce que Bissoto cultive ce qu'on appelle la géopolitique. Chader était dans le comité, il y avait Némi dans le comité, il y avait Roubero. Ce sont pratiquement tous l'espace grand qui vous. Il fallait quand même Moutoumo, quoi, Bima, pour que tu crées équilibre géopolitique. Mais de l'autre côté, j'ai parié que l'extrémisme n'a pas peut-être de place dans notre République démocratique du Congo, parce que amateurisme, Oyo. C'est même les titres du journal Les Vrais Modérateurs. Changement au comité de suivi de l'accord FCCH, les extrémistes limogés. Ah voilà, Nathan a écouté le journal en honte. L'extrémisme, Oyo, pas seulement l'extrémisme, et l'amateurisme de Kabuya et de Kabound. Amateurisme à niveau ni. N'est-ce pas vrai que Baroura qui jamais causa là, n'a pas rambo à gestion, il y a question à Moka au sommet. Parce que quand quelqu'un vous dit que tu dépenses qu'à 7 millions de dollars dans le congrès, lui est premier vice-président de l'Assemblée nationale où il gère les questions administratives et financières. À Marie Sino qui non, tu dépenseras 7 millions, mais Moukolo va baigner pour pouvoir Kimi. Ça veut dire que c'est un amateur. Comprendre?
conséquence, l'autorité suprême du pays a compris que cet amateurisme, cet extrémisme est très dangereux pour la République démocratique du Congo. Cette coalition est une coalition salvatrice pour la République démocratique du Congo. D'autant plus que tous les dirigeants ensemble, surtout dans la cohabitation, donc on a 100% des ministres FCC. Donc on a tous là, on a 100% des mandataires publics FCC et le cash. Il n'est qu'à la présidence de la République. Mais l'ingéniosité de Joseph Kabila, il a approché son frère, le président Félix Tshisekedi, bah accordé bah violon. Mais la carte c'est bah violon quand ils ont constaté qu'il y a des bah mbouma yamabe le rôle bah kabou yamaba kabou. C'était important bah élaguer bah pour que tout faire marcher ma campagne parce que au-delà de tout on a pour ça bah querelle, on a été la population attend de nous des résultats sur des questions sociales. D'abord rôle il y a comité de suivi les alarmes puis n'importe bah coup t'en a raté à part jour bah coup t'en a qu'on a re-signé acte ou accord wana. Bakout en a raté, Kaboun, Kabouya, tout le temps, couteau tiré avec les FCC. Mais, Nanga Mounabino, il y a FCC Tomoni, pour maintenir Batounabino, à part Chadar Mtalomwe. Alors finalement, est-ce qu'aujourd'hui, Toro Baké, chef de l'État, se rendre compte que Bato ya Tchaki n'a compte à cash, va négocier avec Mabenda Longo Libango? Bon, je ne sais pas me substituer au président de la République. Mais t'as là, biso signataire, on a biso ya accord. Sur le but d'abord, Bakout en a raté, c'est faux. Il y a des discussions permanentes. Je t'ai dit, mais je crois le vendredi, ils étaient en train de parler. Parce que tout ça, oui, dans la discrétion, tout ça, le programme ensemble. Tout ça, le programme ensemble pour gérer Mboka. Il faut, à chaque fois que tout ça gère, il faut qu'il y ait une évaluation de l'action. C'est comme ça que Bakout en a. Mais au-delà de ça, il y a des mises en place qui doivent s'opérer par-ci, par-là, en République démocratique du Congo. Ils ont nécessité des rencontres comme ça, des rencontres d'une manière permanente. Bakout en a. Mais, signataire Zaki Nimi. De l'autre côté, signataire Moutouak numéro 1, Jean-Marc Kaboun, chef de délégation. Tu ne verras jamais Nimi dans des discours incendiaires. Discours il est modéré, il est calme. Pour lui, c'est un homme d'État. Il pense l'intérêt de la population, l'intérêt de la République démocratique du Congo. Mais de l'autre côté, Romona, notre ami l'amateur, il est toujours dans la rue. Répondant à moi, élégance, Robinga Mathieu Abouité. Quand même responsable, député national, président, il y a un grand parti politique, retraité d'amateur Abouité. Non, mais l'amateurisme, c'est très facile. L'amateurisme, ce n'est pas. Ce sont de faits. Un partenaire politique a été devant le gens. Il faut faire la différence entre un président d'un parti politique, un député national, un premier vice-président de l'Assemblée nationale et un militant. Le militantisme, on peut tout dire parce qu'on est militant. Tout ça, mais si on voit le niveau, il est en train de confondre ses fonctions, la fonction qui est militant. Il n'est plus militant. Il faut se substituer à la casquette qui est militant comme vraiment réellement un chef de parti. Quand quelqu'un vous tient de parole, genre, oh, bah qu'on agit. Et Bangui Sabino. T'es ça ou Bangui Sabino? C'est l'amateurisme. L'amateurisme au sommet de l'État, c'est l'amateurisme. Moutoualobi, tu utiliseras 7 millions de dollars, vous pouvez au Kimi. Moutoualobi, je sors par la grande porte, mais après, à qui on a un conseil d'État. Ça veut dire que Monique, gérer la balabala, quand il y a gestion et Mboka, c'est des choses différentes. Et Monique, peut-être l'autorité suprême a compris qu'il était temps pour que. Bah, on va subir ça, car on est basé à l'action. C'est très important. Moutoualobi, Kaboun, normalement, il faut subir. La décision case à l'action. On a que les gens qu'on a mis sont déjà modérés. Peter Kazali, il fait ses interventions à la télé, mais il a toujours été modéré. Il fait preuve de ses capacités intellectuelles. Nicolas Kazali, c'est à peine que Bazo découvrir, il est modéré. Kitengezu, bon, un félin, mon boutiste, il est toujours dans les tweets, tout ça, on prend. Et puis au moins, la TTK, quelqu'un de modéré encore. On a besoin des gens modérés pour que tout diriger Mboka. Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre quoi. Même Liba là, il doit qu'à temps pour que toi tu accordes des violons. Toi là qui lobby, bah au couteau, toujours à couteau tiré. Mais est-ce qu'il faut te rapprocher bah vu Nabissou? Ce n'est pas un processus qui va venir comme ça brutalement. Un processus où il faut s'engager à temps, mais tout en mettant aussi des gens où ils sont capables y a comme mener processus. Soit c'est comme ça que les deux autorités ont compris qu'il fallait mettre des gens modérés. Alors ceux qui pour Nayo, Kaboun, Balongoli, Poza, amateur, un discours incendiaire. Alors, tout le monde peut que Chadar il peut ou pas, mais ça ne s'habille sur la ville, il peut être amateur. Je venais de vous dire. Ma fille, maman, on a maman. On va brûler le pays. Je venais de vous dire ici que nous, ce qui a mis, ils allaient d'abord réduction en format, la géopolitique. Ah, bien, réduction en format, la géopolitique. Mais côté, on a pas amateurisme. Bien, réduction en format,
nous étions à 8, 8 tout zongi, na configuration à Liboso du côté cache, il y avait les feux, que je regrette avec beaucoup de peine, les feux, Jacques Ilunga, il était aussi dans le comité. Et puis après, tu es qu'au zongi, na ba 6, 6, ti, tu es qu'au revenir, na 4, na 4 conséquences, la géopolitique a milité à ce que tout ce qu'on en a deux, bah, tu y a espace grand qui vous, c'est comme ça. Très bien, dernière question, on va toujours à Thiamou et Tikali. Alors, choix à maintenir, bah, tout le monde, Néhémi, Roubaix-Roi, est-ce qu'ils sont motivés par expérience dans Bango, dans la politique, ou la question de Bosso? Alors, question à Mibale, pour nous, ni Kabila à Koukiko, ils ont privilégié nos jeunes, ils ont boosté nos jeunes. Bosso, Bosso, Tiamou, qui est le temps, midi pour commencer. C'est comme R, il y a partage, il y a minimum, il y a minimum, il y a minimum. Avant, je rappelle que ma papita, ma baleka, ma kolorotambola, mais. Kabila, président de la République, et Kabila, aujourd'hui, sénateur à vie, des personnalités totalement différentes. Le président de la République, il y a une question à Mboka. À l'Est, à Kisangani, ceci, cela. À Tabouzo, l'Oba, mais pour que comme il y ait, il y a un signataire. Mais le nom Kabila, il y a un signataire, il y a un Mboka. Sa jeunesse, Joseph Kabila a toujours voulu une jeunesse disciplinée. Puis surtout à la car, au lobby que non, deux fois, bah, au cabine, t'es, bah, zo, air à connaître. Fini au maman, là, zon, sa maman, là. T'es, il y a une jeunesse disciplinée. Au lobby, bien qu'on, bah, zo, pé, sabine, l'eau, côté, bon, tiens, maquille, la télévision. Mais, bozo, lobby, là, bisso et panabisso, c'est un parti ici de l'AFDEL. De la discipline militaire et aussi dans notre parti. Dans le sens que, il y a des mécanismes de réclamation. Bah, dès qu'on a bisso, il y a eu des pèses. Bah, bah, réclame, là. Dernièrement, on a un conflit entre Bakabou et Bachiloum. On a même brûlé un de leurs. Batoumbi est parti dans Bango. Batoumba est dans Bakabou, dans Bakabou, dans Bakabou. Mais chez nous, tu ne verras pas le comportement. Nous avons les mécanismes de réclamation. La preuve, elle est là dans le gouvernement. Au début, tu as deux jeunes, Nakati. Tu as l'excellence Papi Pungu. Tu as l'excellence Moussa Mondo. Ils sont jeunes. Il y a PPRD. Au-delà de ça, même la FCC. Il y a des jeunes. Le vice-ministre de la coopération internationale du Panou, un jeune. Bah, Germain Kamingel, il y a beaucoup de jeunes. Oh, bah, madame Nenenkou, c'est une dame, elle est jeune. Bah, Félix Moumat, prof, bah, ça va jeune. Ça veut dire qu'il y a un grand power salami, il y a une mise en place, il y a un mandataire. Vous verrez que même si le négociateur a besoin de négocier, mais la décision finale reviendra au président Kabila. Le président Kabila fait confiance aujourd'hui à sa jeunesse. Très bientôt, je vois audio où va attribuer à moi Mboka Lambert Mende. Mendaza aussi lamenté, Mendaza l'autorité morale a bengué. Non, mais yo, maman, je ça la rouna. Alors, juste, est-ce que d'abord, le message est authentique? C'est pourquoi, évidemment, que chaîne Nabilo est buzz. Il ne faudrait pas faire le buzz pour le buzz. Il faut avoir la culture, il y a qu'authentifier les camps. Raison pour laquelle on ne peut pas commenter sur des spéculations. Jusque-là, je considère ça comme étant des spéculations. Or, les spéculations, nous ne pouvons pas commenter dessus. Tozela est comme authentique. Hein? C'est à ce moment-là qu'on va en parler. Puisque à chaque fois, spéculation, bimio, bah, désarmé, Kingakati, Namona Christian Bossembe, Azui, une heure du temps en train de parler de désarmé de Kingakati. Journaliste. Akosagi. Journaliste. Akosagi. Je parie qu'Aza, journaliste d'investigation. Parce que moi, Akosagi. Eza Lokuta. Moi, quand je l'ai connu. La RTG est en train de présenter une émission, il y a conseil, il y a un couple. Mais le là, quelque part, politique, comme un dépotoir, il y a un bateau, il y a gagné vie facilement. Je ne sais pas quel est le mécanisme qui a fait qu'à l'envoi des émissions, je vous rappelle que c'est un juriste formé. Évidemment. Journaliste formé également. Je ne conteste pas le fait qu'il soit... Il y a un dépotoir, il y a un dépotoir. Dans le sens que, il était en train de faire une émission, il y a conseil, il y a ce qui n'est pas interdit. Bien qu'il n'avait pas l'expérience en matière ouana, mais on l'appréciait bien dans ce domaine-là. Mais ce rebondissement-là de cette émission directement à la politique. Politique, oui. Ce que et ça la passe ses animes. Hein? Politique, c'est quoi? Tout fait mensonge, la parole. Vous voyez bien dans RTGA, on a aimé des Africa TV. Avant Africa TV, d'abord, les journalistes étaient des pour autres. Ils ont défendu. Pas 15 ans et moins. Ils ont défendu. Pas 15 ans et moins, des journalistes. Je fais bien la RTG, mais avant RTG, là, non. Mais moi, je l'ai apprécié. Je l'ai apprécié. Ma casse, vraiment, dans l'émission. Bien que dans le domaine, une expérience dans le domaine à Libala, dans la RTG. Mais, du coup, rebondissement, il y a une spéculation. Aux 8 ans, il y a Koulouba Makambo et il y a Lokuta.
Et puis tu te donnes le temps, avec beaucoup de sérieux. Un journaliste est formé, il faut quand même avoir la culture et l'investigation. Oui ou non, culture bah, a... c'est faux, c'est faux, peut-être, ça n'existe pas. Peut-être le verbe des amis et poser nos problèmes. Et ça, il y a le kouta. Eza ya lokuta, Eza makambo ya lokuta, makambo ya loba. Il a pris le temps de dire de mensonges. Ce n'est pas bien pour un journaliste qui est censé faire de l'investigation. Eza malamouti. Toujours on a débat. Il faut toti kajalelo. Toujours on a débat. FCC Bolingi a tout pris besoin de contrôle ya cour constitutionnelle. C'est comme si Boza vous perdre déjà contrôle ya cour wana. Selon le message qui vous circulez. Je l'ai dit, je ne commente pas sur les spéculations. Quelle est l'action que le FCC a fait pour qu'à tout prix tout soit conventionnel? Il n'y a pas d'action. Il ne faudra pas te naviguer à vue. Il ne faudra pas te naviguer à vue, tout à la cohérence. Quand il y a des faits, on cite le fait. Quand il n'y a rien, arrêtons de spéculer. C'est de la pire spéculation. Moukolo, comment on a comme moi là, authentifié, on a un yaoloba. Je viendrai dans répondre par rapport à ce qui va proposer, on va attribuer, mais ils ont réellement, mais je viendrai. Nous avons suivi l'audio, on va attribuer la première dame. Est-ce que ça il y a le kouta? Nous avons mis des audios attribués à la Batebele, dans les réseaux sociaux et consorts. Ils auraient deux fois le kouta, la plupart des cas. Vous comprenez? Ne perdons pas notre temps sur des spéculations. Tout le monde a des questions de fond. Très bien. Tout le monde a Basile Olongo, ancien opposant. L'objet de Koumissi Kabila, Kabila Moutumoro bien, Moutumalamou, Bakosta Kinga et Lelo a changé l'issue sous Kabila Mabe, Fachi. Alors, versatilité à homme politique congolais. Lecture au salaire. Voilà, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Ici, ici, Kawana. Au moins, modus operandi à Basile, les modus operandi à Eliezer, les mêmes modes opératoires. Il y a Bandeko Loko, il y a Christelle Vwanga, il y a Mike Mukebayi, il y a Daniel Saf. Au fait, c'était quoi? Vendre le nom de Kabila na Wenza Bitula, na Wenza Pokwa. Kabila, 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 quand Kabila était au pouvoir. Et conséquence, bénéficier de la sympathie de la population, parce que la population se rosofinga, babette la ramabou. Et Akoma s'est fait élire député national, meilleur élu. En 2011. En 2011, avec 80 quelques, 86 000 voix, moi que je ne m'abuse. 80 quelques mille voix. Ndeko, Basile. Or, le fonds de commerce, c'était le nom de Kabila. Et puis, après plusieurs jours, il a dit du mal de Kabila en 2011. Mais Lelo Oyo a se retrouvé ministre dans un gouvernement de Joseph Kabila. Ministre. Et puis, qu'on se retrouve ministre, c'est propos. Il y a Djalelo, il y a Nenga Moukete. C'est Christian Boussembe. Azo Salango, Lelo pour la première dame. Djalelo, il y a des gars. Donc, Asali, Djalelo, na Nenga ya Moukete. Djalelo, wana. C'est comme si on a un problème personnel, là, Christian. Papa. Bomba vidéo. Lelo, t'as la voix Basile Azouaki. De 80 000 voix. T'as la voix. Abibino FCC, Bokenda, on manigansé na Seni. Bokenda, on manigansé na Seni. Basile Azouaki, ba voix na yango. 2527 voix. Azouaki na regroupement code. Code, le chef regroupement na Mouzavanani. Jean-Lucien Boussa. Bon, un non-élu à l'ongwe na FCC. Parce que, biso, la force du FCC, ce sont ses élus. Un non-élu à l'Ongwe. Azoaki 2000 voix. Regroupement, on a founa, Azoaki 7000 voix. Moi, mon bali, on a échoué lamentablement. A quel cour constitutionnel a attaqué Moutualiboso Koko Chomba? Kole Chomba, les cahiers n'ont pas voix. 4330 voix. A moi, n'est pas Kole Chomba qui est rare. A l'année qui est attaqué Paul Balenza. Pièce contre pièce. Paul Balenza. Paul Balenza, paix à l'équipe n'a pas voix. C'est une bouche de moins. Parce que non élu, on a écrit, on a commis, on a posé sur un problème, et bien la FCC. Tout le monde a moyen de caser, bah non. Une bouche de moins, on a à l'ongwe, c'est bien pour nous. Décharger, puis ça, pardonne, on a apporté dans mon côté, c'est un élément soustrayant. Un élément absorbant. Alors, militant, on a parti. Parti politique, comme on a un élu, bien.
parti malette existe rare na ipanae azala kana recoupement code ananda la lande alobike ye muto apesaka Joseph Kabila conseil akotika pouvoir boni ko seka ko sala na ba congoleko de basila akutana na Kabila wa na ba réunion na bino ya FCC na ba réunion FCC ba ya kana ba chef ya ba regroupement lui n'est même pas chef de regroupement il n'est même pas un élu Kabila ya mbaba élu nyonso ba wana kutana na ba conseil des ministres conseil des ministres vous êtes dans un groupe boye au traité makambo ya mboka tanga livre ya kengo wadono alobi déjà na législature 2006-2011 tant ya président sénat Kabila ya et pa kengo wadono na résidence ya kengo wadono aye koye bisé boye ke non. Quand ça vous voit le pouvoir, Maréchal Mobutu a bêté coup d'État, que l'on voit quand ça vous voit qui vient. Maréchal Mobutu, Mouza Longo lié, n'a pas bêté coup fait la Maroc. Mouza a assassiné l'ennemi à la République. Mais n'a pas été ligné qu'au tombé les sous-sous, n'a pas qu'à moitié. Il n'a pas par la grande porte en organisant les élections, mais ça la remise et repousse, la successeur n'a pas. N'a pas été bino, ma patron, mais si tu entends, il y a quelqu'un qui a expérience, bon, il n'a pas la grande porte. Ça, c'est quelqu'un qui écrit ça dans son livre. Na un Olongo Basile qui a lamentablement échoué aux élections. Aye kolobaki ye muta conseil Kabila. Akuta na Kabila wapi? Olongo Basile akuta na Kabila wapi? Aza ni chef à regroupement parti. Alongwe Jean-Lucien Boussa na FCC. Jean-Lucien Boussa na FCC, mais ya Longwe. Donc ça ne veut rien dire pour nous. Donc c'est une bouche de moins Isaïe qui recharge tout le monde à l'IPK, va décharger le na chômage à la UDPS. Il y aura ainsi Penza Basile, va repasser Moussala Kouna. Va chiloumbou, va moua, va moua, chômage, va te belle, va te député, professeur. Va Kobeya, va te konanga, diabanza, va zana na chômage. Si ko yebi sangai, Basile Kouna, va repasser Moussala. Ah, va koutagi vice-ministre intérêt, va repasser Moussala Nde Kouna. Alors, gestion et ambition dans la FCC. Et les gars, pour te montrer, le calamité, le professeur Bati, avec la caporte à Kenda, voilà, au tout n'a pas de goût, il y a Bati, il y a une bosse. Heureusement, qu'on continue à. Gestion ou ambition dans la TFCC, les gars, d'abord, avant d'aller sur la gestion ou ambition, il y a des ordres dans le monde. Il y a des femmes extrémistes, il y a des gens qui ont été Gilbert Kankoni. Oh, ministre intérieur, azo semé désordre moko terrible. Nani. Au lieu à se préoccuper, obi que coronavirus, c'était une maladie importée. Mm. Et où talibanda, nani a sala ka gestion à la frontière, na ordre opérationnel. Quel est le ministère qui patronne l'ordre opérationnel et la gestion à la frontière? C'est le ministère de l'Intérieur. Parce qu'il y a Zarana Aner, à la police des frontières, à Zana DGM dans la frontière, là-bas, service est bélé. Mais malade, on est quota à tika la pour détecter à monte, mais à quel que ça la désordre pendant que justice. Et l'objet makamu ya AFDCA, ils ont une crise, il y a leadership. Bah qu'ils ne combattent dans l'ensemble, bah réunir bah cadre, bah combattent dans l'ensemble. Comme il y a crise de leadership, justice a voulu qu'on se prononce sur Yangote. Mais Gilbert Kankoni, ce qui justice, c'est l'objet bon. Il y a quelque chose à Mukanda Moko, qu'on qui ne colle pas, qu'on fait ça. Bah ati raison, mutu aza politicien relégué au passé. Aux hommes on a niveau ya désordre Gilbert Kankoni dans ça là. Où on a ni on se dit. Mais quoi, Arana, verdictement, en faveur de Yabati? En faveur de Maman Nenenkoulou. Cour à l'obaki, en faveur de Maman Nenenkoulou. L'obaki, ils ont une crise de leadership. Le cours de Maman Nenenkoulou, Moutoua, Ndenge Bazan, Moutoua, Naba, élu, Ebelan, Naba, cadre, Ebelé, Maman Nenenkoulou, Bati, Atikala, Mouké, Abiké, non, bon, Kende, bon, sa crise de leadership, bon, Fandi, sa cadre, Nyonso, bon, Eba, Nani, Akokamba. Mais Gilbert Kankonde, il est tombé, je ne sais pas d'où. Bon, Eko, Bimisa Mukanda Moko. On a se préoccupé. Naba, problème, il y a UDPS Chibala. Bah, UDPS Moubake, bah, UDPS est commis, il y a UDPS qui bat ça. Oh, on a la résolution de la question, il y a parti na EPI. Oh, le pays est créé. Oh, le pays non, militaire parti na Bango côté, kuna, kabou, yana, kabou, n'ba, Rolanda démissionné. Au lieu de gérer ce conflit-là, voilà que Gilbert Kankoni est toujours dans le conflit. A-t-il confié à Mouné, n'a pas qu'on voit? A tout, matou, matou. C'est lui! Qui est l'auteur du conflit là-bas, Congo? Léon, Léon, et comment même ça va tout? Bibé, mais comme il y a. Mais au lieu de se préoccuper, qu'il y a un côté de la Makamouya, AFDC, AO, justice, ça fait ça, maman, n'est-ce pas une raison? Est-ce que, moi, quand tu es autant de sang, bon? Jimmy, qui t'a une émission, et si, il y a une rubrique, moi, sous émission, ce qui consiste pour l'invité, caméra, ou Zali, Bosson, ou Tali, ou s'adresser à un public, et puis, il y a une possibilité, Zali, ou Pessi, bon numéro, pour Missou Balingaba, continuer de débattre avec l'invité. Bon, numéro 9. Liberté au Liberté au
et comment libertinage, comment va victime de fois bah injure et quoi y a moins ça la guerre, moko, tous allez un peu moins. Un peu restreint dans ma vie. Si vous avez des pèses, vous avez un solide que les rabbis. Vous pouvez appeler ça numéro sans problème. 0-81-98-26-422. C'est mon numéro. Si vous avez un yamba, vous pouvez nous répondre. Je vais répondre à yamba pour preuve que vous avez un yamba. Pour m'adresser au public, je vais vous dire que nous sommes les journalistes qui ont distillé les ayats. Le problème n'est pas les journalistes. Mensonge pe le kimingi. Libéralisation domaine un média où tu peux ça, tu y en as carte blanche, tu libéralisation, crédit. Ça coûte des années, des années. Mais il y a un canal qui va souffrir, c'est cette qui va souffrir. Neko, tu as plus de 700 chaînes à télévision. Tu as plus de 700 chaînes à télévision. C'est nous, Amouta, et nous, maman. Télévision, ta télévision. Et c'est belé. Oh, le bisonnet, tout ça. Est-ce qu'on a Kabila, tiens? Na, écoutez-moi déjà. Na, braté. Na, là où tu es, bisonnet, tout ça, on a Canal Z, antenne A, na, OZRT. Na, Brazzaville, là, on a 5 chaînes. Na, Brazzaville, bah, utiliser Internet, le roi, bien, bah, utiliser. Monsieur Sili. Bah, keba, na, bateau, bah, qu'on distille, bah, mensonge, na, bah, chaîne, na, bah, ngo. Neti, oh, yo, Christian Boussembalo, bah, qui a Kingakati. Zalokuta. On a des armées Kingakati. Voilà l'information. L'émission est terminée, mesdames et messieurs. J'ai reçu pour vous Jimmy Kitenge, il est cadre du PPRD. Avec lui, nous avons passé en revue toute l'actualité ici au pays. Merci à toute l'équipe technique. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.